Alors, bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer notre TD d'aujourd'hui. On va traiter les cancers digestifs sous forme de petits cas cliniques. On va essayer de faire 4 ou 5 concernant l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et un ou deux dossiers sur le cancer colorectal. On va garder les tumeurs biliopancréatiques pour le prochain TD qui sera assuré par moi-même déjà, normalement le dimanche le 2 mai à 18 h. Donc, les tumeurs biliaires, on va les voir dans le deuxième topo. Aujourd'hui, on va essayer de voir un peu les tumeurs des tubes creux. Donc, on passe rapidement au premier cas clinique, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, le cas clinique va concerner l'œsophage. Hein. Donc, ici, alors, on présente un homme âgé de 60 ans, de sexe masculin, bien sûr, c'est un homme. Il présente un blocage aux aliments solides. Un blocage aux aliments solides qui s'aggrave depuis un mois. Dans ses antécédents, on a un reflux gastro-œsophagien, un RGO ancien, qui date depuis 10 ans, traité par intermittence, par un IPP, par un inhibiteur de la pompe à proton. Le patient présente un amaigrissement assez important quand même, 5 kilos en un mois. Et l'examen clinique est normal. On dispose de clichés de transit varité de l'œsophage, ou de TOGD, transit œsogastro-duodénal. On a le cliché juste après. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire en deux mots, me décrire en deux mots la lésion qu'on voit ici sur le cliché de TOGD. Est-ce que quelqu'un peut me la décrire en deux mots, la lésion qu'on voit sur le TOGD, ou ce qu'il voit sur le TOGD? Prenons de pomme, oui, c'est juste, il y a de l'irrégularité. Encore. Quelqu'un peut être plus synthétique. Une dilatation en amont, oui, c'est juste. La dilatation, elle est en amont de quoi? De quel type de lésion? La dilatation. Certes, on a une dilatation, oui. Voilà. Sténose, aspect grêlique. Bon, aspect grêlique, c'est un peu limite, mais bon. Il y a une sténose. Ici, sur le cliché, on a une sténose irrégulière du bas œsophage. On voit au milieu, ici, le rétrécissement qui est irrégulier, hein, il est excentré, il n'est pas centré. On voit des irrégularités, on voit parfois la barite qui rentre dedans. Voilà, c'est ce qu'on appelle des images d'addition. Parce que vous avez de la barite ici, à l'intérieur, une sorte de tache remplie par la barite, on appelle une image d'addition. Ça veut dire que c'est une perte de substance. C'est une ulcération qui est remplie de barite. Et ici, on voit des zones qui n'ont pas été coloré par la barite. On appelle ça des images de soustraction. Et les images qui ne sont pas colorées par la barite, donc les images de soustraction, hein, c'est des surélévations nodulaires. Donc elles prennent pas, hein, là, elles ne sont pas colorées ou peintes par la barite qu'on voit pour le malade. Il y a des images de soustraction, des images d'addition, c'est le caractère irrégulier de la sténose. Donc, c'est une sténose excentrée irrégulière. Alors, on peut dire qu'il y a même des régions en trognon de pompe du bas œsophage. Parfait. À quoi vous pensez en premier? Juste en voyant l'image du TOGD. Vous avez les antécédents du patient. Donc, dysphagie, amaigrissement, RGO ancien, et vous avez une image
de TOGD. Voilà. Je vois certains ont répondu, cancer de l'œsophage, mais quel type de cancer, si on veut être plus précis, hein? Bas œsophage, RGO ancien, quel type de cancer, si on évoque un cancer de l'œsophage? C'est vrai, c'est un cancer déjà du bas œsophage, hein, et plutôt un adénocarcinome qu'un carcinome épithélial. Voilà. Donc on pense plutôt à un adénocarcinome, hein, beaucoup plus que, hein, le carcinome épithélial, vu ce qu'on a à l'interrogatoire. Ici, à la clinique, on n'a pas d'intoxication alcoolique tabagique, on a plutôt un RGO ancien, et sur le plan paraclinique, au TOGD, on a une sténose qui est irrégulière, excentrée, en tremblement de pommes, il y a des nodules, il y a des ulcérations, donc ça sent la néoplasie. Après, bon, le TOGD, vous avez l'interrogatoire, l'examen clinique, le malade ramène un TOGD, et quel autre examen vous allez faire en premier? Un examen de référence, simple, hein, à faire. Quel examen, hein, vous allez faire en premier? Facile ici, hein? Alors, quel type d'examen vous allez faire? Voilà, fait une endoscopie œsogastro-duodénale. Il ne faut pas répondre, voilà, endoscopie haute. Répondre pas fibro, colo, voilà, faut être complet. Voilà, on fait une endoscopie œsogastro-duodénale avec des biopsies. Voilà. Faire une endoscopie, hein, pour caractériser la lésion, donner plus de détails, et faire, hein, des biopsies pour études histologiques. Devant une lésion au niveau du tube digestif, il faut toujours donner son aspect, sa taille, sa localisation et faire des prélèvements, hein, si c'est une lésion qu'on doit avoir, son histologie. Donc, il faut donner son aspect, sa localisation, par exemple dans l'œsophage par rapport aux arcs dentaires, par rapport au cardia, hein, sa taille, hein, son caractère infiltrant, végétant, blanc, elle prend combien, par rapport à la circonférence, et faire des biopsies, bien sûr, hein, pour confirmer, le type histologique. Maintenant, quelles sont les deux principales formes histologiques au niveau de l'œsophage? Et quels sont les facteurs de risque respectifs? On vient de voir déjà le premier type qui est l'adénocarcinome. Et hein, son facteur de risque principal, c'est lequel? Parlons de l'adénocarcinome, bien sûr. Voilà, l'adénocarcinome, c'est le RGO. Et le RGO va se compliquer. Hein, de quelle lésion? RGO ancien, RGO long cours, voilà, de l'endobrachiose. Facteur de risque principal du carcinome, enfin de l'adénocarcinome œsophagien, c'est, hein, l'endobrachiose sur RGO. Et le carcinome épidermoïde, quels sont les facteurs de risque? Dans tabac, il y a des gens qui ont répondu, tabac. Il y a d'autres facteurs de risque pour le carcinome épidermoïde. Vite, vite, comme ça on pourra faire plusieurs organes, plusieurs dossiers. L'alcool, le tabac, très bien. D'autres facteurs de risque, carcinome épidermoïde. L'alcool, tabac, c'est les causes classiques, hein. Aussi d'autres maladies, hein, d'autres causes, hein, qui sont pourvoyeuses de cancer du carcinome épidermoïde. Voilà, brûlure caustique. Très bien. On a les lésions d'origine caustique, hein, les lésions anciennes d'origine caustique, les sténoses, hein, caustiques anciennes. Hein. Allez, d'autres causes, d'autres facteurs. On a ici les lésions post-radiques. Donc, les lésions post-radiothérapie, hein, peut se greffer dessus un carcinome épidermoïde. Vous avez aussi la chalazie de l'œsophage, qui est un facteur de risque. Vous avez le syndrome de Plumer-Vincent.
ou la dysphagie sidéropénique. C'est en général le tableau, c'est des femmes jeunes qui présentent une anémie ferriprime sévère, résistante au traitement martial, et chez qui on retrouve une sorte d'anneau, de membrane, hein, au niveau de l'œsophage, qu'on perfore, qu'on dilate avec l'endoscope. Et c'est une pathologie assez particulière. La base des anneaux, avec le temps, peut se greffer sur la base des anneaux du carcinome épidermoïde. Il y a certains qui ont répondu reflux. Le reflux, c'est pour l'adénocarcinome. Ici, on est dans le carcinome épidermoïde. Il y a aussi d'autres maladies. Il y a la tylose, qui est une dermatose un peu spéciale, qui est une hyperkératose palmoplantaire. Et parfois, elle se manifeste par des lésions kératosiques malpighiennes au niveau de l'œsophage et qui peuvent dégénérer en carcinome épidermoïde. Surtout associé à une infection à l'HPV. Certains qui ont mis agent infectieux, c'est l'infection à HPV, papillomavirus, sur hyperkératose palmoplantaire de type tylose. On a aussi, certains auteurs ont même mentionné la maladie cœliaque comme facteur de risque du carcinome évidemment. Donc, ici, c'est on n'a rien oublié. L'adénocarcinome, c'est le bio. On a fait le diagnostic, on a biopsié, on fait quoi comme bilan d'extension? Par exemple, pour l'adénocarcinome. On fait quoi comme bilan d'extension loco-régional et à distance en cas d'adénocarcinome? Quel examen? Un TDM, un TDM quoi? Un TDM thoraco-abdominopelvien, très bien. Donc, on fait un scanner thoraco-abdominopelvien, une écho-endoscopie haute, si la tumeur elle est franchissable. Alors, il y a d'autres examens qu'on peut faire en cas de signe d'appel. Bon, PET scan, ce n'est pas pour l'instant. Vous le gardez pour un autre cas clinique. Pour le cancer de l'œsophage, c'est rarement on utilise le PET scan. Donc, on fait une TDM thoraco-abdominopelvien, on fait une écho-endoscopie haute si la tumeur elle est franchissable, parce que si la tumeur est infranchissable à l'écho-endoscope, ça ne sert à rien de faire une échoendoscopie, elle sera incomplète. Et il y a d'autres examens, par exemple, si vous avez des nodules hépatiques que le scanner ne peut pas bien caractériser, on peut compléter par une IRM hépatique. Alors, on peut faire une scintigraphie osseuse et une TDM cérébrale en cas de signe d'appel. Mais sinon, ils ne sont pas systématiques. Mais la TDM thoraco-abdominopelvienne, elle est systématique. Et pour le carcinome épidermoïde, ça pour l'adénocarcinome. Pour le carcinome épidermoïde, on fait la même chose. On a donc la TDM, l'échoendoscopie, si c'est franchissable, les autres examens en cas de signe d'appel, mais il y a aussi d'autres examens qu'on fait systématiquement en cas de carcinome épidermoïde. Lesquels? Quoi comme examen? Autre examen de... dans le cadre du bilan d'extension, en cas de carcinome épidermoïde. Il y a deux examens à faire. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, personne ne répond. Pour le carcinome épidermoïde, on fait un examen ORL avec une nasofibroscopie, une laryngoscopie. Donc, un examen ORL complet et on fait une endoscopie bronchique en plus du bilan d'extension loco-régionale et à distance standard qu'on vient de voir. Donc, pour le carcinome épidermoïde, on fait une TDM thoraco-abdominopelvienne, une écho-endoscopie haute si la tumeur est franchissable et on fait une endoscopie avec examen ORL et une endoscopie bronchique. Alors, quelqu'un a mis transit œsogastro-duodénal, il ne fait pas partie du bilan d'extension. Parfois, on le fait en préopératoire pour le chirurgien. Alors, pourquoi on fait l'examen ORL et l'endoscopie bronchique? Bon, l'endoscopie bronchique, on le fait pour les tumeurs supérieures à T2 pour voir s'il n'y a pas d'extension vers l'arbre bronchique. Et l'examen ORL, on le fait parce que le carcinome épidermoïde de l'œsophage a les mêmes facteurs
épidémiologiques, les mêmes facteurs de risque que les cancers d'origine ORL. Alors, on fait systématiquement un examen ORL associé à l'endoscopie digestive. Donc, à la recherche d'une autre localisation du carcinome épidermoïde dans les voies aérodigestives supérieures, dans l'hypopharynx, le cavum, etc. C'est pourquoi il faut faire un examen ORL. Parce que ce sont des tumeurs épidémiologiquement liées. Ils ont les mêmes facteurs de risque. Surtout alcool, tabac, entre guillemets. Et l'endoscopie bronchique, on l'a fait pour voir s'il n'y a pas d'extension vers la trachée. S'il y a un doute à l'imagerie ou une tumeur supérieure à T2, on fait une endoscopie bronchique de manière systématique. Est-ce que c'est bien compris? Parfait. Bon, ici, on va passer, après le bilan d'extension, il faut bien sûr faire un bilan d'opérabilité. Il faut faire un bilan préopératoire, une consultation d'anesthésie, un bilan biologique complet et avoir un dossier complet pour le présenter en réunion de concertation pluridisciplinaire d'oncologie digestive pour discuter la prise en charge thérapeutique. Les principes du traitement, bande l'œsophage, il y a la partie chirurgicale et la partie médicale, surtout la radiochimiothérapie. On ne va pas s'étaler là-dessus. Les mesures de prévention, les premières, elles vont concerner les facteurs de risque du carcinome épidermoïde, donc surtout limiter ou arrêter la consommation de tabac et d'alcool. Et pour l'adénocarcinome, il faut déjà faire des endoscopies pour les RGO atypiques et les RGO avec signe d'alarme et surveiller endoscopiquement les lésions d'endobrachiosophage avec ou sans dysplasie, ça dépend, présence ou pas de dysplasie et son degré aussi. Alors, on passe à notre dossier. Concernant l'estomac, est-ce que c'est bien compris pour l'œsophage? Il faut connaître les types histologiques, les facteurs de risque, surtout les examens diagnostiques et le bilan d'extension à faire. On passe au deuxième cas clinique pour l'estomac. Alors, ici on a une dame âgée de 55 ans, qui est porteuse d'une anémie pour laquelle elle reçoit de la vitamine B12. Donc, c'est une anémie assez classique. On l'appelle comment, d'ailleurs? Ce type d'anémie. Elle reçoit de la vitamine B12 de façon mensuelle. Son suivi est l'atanarchique. Anémie de Birner. Voilà, très bien. Donc, depuis 3 semaines, il y a une altération de l'état général. Il y a des épigastralgies, de l'anorexie, d'amaigrissement et à de la fièvre vespérale. Donc, vespérale, ça veut dire que c'est la fièvre qui survient le soir, la nuit. Alors, à l'examen clinique, la patiente, elle est pâle, l'abdomen est souple, et au niveau de la région suspubienne, au niveau hypogastrique, on a une sorte de névus un peu atypique qui est apparu récemment. Donc, c'est une plaque, une plage hyperpigmentée au niveau de la peau, qui mesure à peu près 25 mm d'apparition récente, où je peux remplacer par exemple cette lésion par une thrombophlébite des membres inférieurs d'apparition récente. Quel est le diagnostic, je ne peux pas dire le plus probable, mais que vous évoquez en premier chez cette malade? Donc, anémie de Birmer anarchiquement suivie et elle revient pourtant elle est sous vitamine B12, mais elle vient anémique quand même. Et il y a des épigastralgies, une altération de l'état général, il y a une lésion cutanée, enfin névus d'apparition récente ou une thrombophlébite, comme je viens de dire. Alors, vous pensez à quoi? Quand l'anémie de Birmer, ou la gastrite atrophique, elle peut se compliquer de quoi? Alors, d'adénocarcinome, oui, elle peut se compliquer d'autres tumeurs aussi. Bon, chez cette malade, on peut dire que
C'est un adénocarcinome qui est un compliquant à une gastrite atrophique. Enfin, dès qu'on gastrite atrophique, autant dire. Dans les arguments, on les a cités en premier à l'altération de l'état général, l'aggravation de l'anémie. Je vous ai dit que la malade, elle est sous vitamine B12 pour son anémie de Birmer, et elle revient anémique, donc il y a un autre problème. Soit elle saigne ou autre chose. Et vous avez ce qu'on appelle le syndrome paranéoplasique. Si vous suspectez une néoplasie chez un patient, d'autant plus qu'il a par exemple un névus d'apparition récente, un névus, c'est un khana, de grand volume qui apparaît récemment, 2 ou 3 mois, il a un névus qui n'a jamais existé, ou par exemple il a une thrombose quelque part, un thrombophlébite de membrane inférieure, voilà, inexpliqué. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome paranéoplasique. Voilà, c'est des lésions qui sont secondaires à des sécrétions par la tumeur. Donc, comment on confirme le diagnostic de cette tumeur gastrique qui complique la gastrite atrophique? Quel type d'examen on va faire? Là, c'est très facile. Hein, on fait une endoscopie œsophago-duodénale avec biopsie, bien sûr. Votre bilan d'extension sera comment? C'est un peu facile ici, hein, ça rejoint un peu ce qu'on a vu dans l'œsophage. Bon, TDM thorac abdominal pelvien, très bien, échoendoscopie haute, d'autres examens en cas de signe d'appel, hein, donc TDM cérébral, scintigraphie osseuse, en cas de signe d'appel. Quelle aurait été la surveillance initiale en cas d'anémie de Birmer? Comment on surveille le malade? Comment on surveille un patient qui a une anémie de Birmer? Donc on fait une endoscopie œsogastro-duodénale avec biopsie. Généralement, on la fait tous les 1 à 2 ans. Donc on biopsie en muqueuse normale et on biopsie toute lésion en relief. Une lésion surélevée ou une lésion déprimée. Il faut la biopsie. On fait des biopsies même en muqueuse normale. Et on fait, si vous disposez de coloration, il vaut mieux faire des colorations. Mais le rythme de surveillance, maintenant, si vous avez de la gastrite associée à de la métaplasie, on fait une endoscopie de façon annuelle, donc chaque année. En cas de métaplasie ou de dysplasie de bas grade, donc c'est annuel, hein, en cas de dysplasie de haut grade, il faut réséquer, hein, en absence de dysplasie, on la fait tous les 2 ans. Donc en présence de dysplasie de bas grade, c'est annuel, en absence, c'est tous les 2 ans. Et en cas de dysplasie de haut grade, là, il faut carrément opter pour un traitement endoscopique de la lésion. On passe à un autre dossier rapidement. Notre dossier, normalement, sur l'estomac. Alors, ici, vous avez un homme âgé de 71 ans. Depuis quelques mois, il a des épigastralgies avec altération de l'état général. Un amaigrissement de 10 kg. Il ne faut pas s'en faire sur les antécédents oraux. C'est juste l'histoire clinique du malade. Donc, épigastralgie, amaigrissement de 10 kg. Et examen clinique plus ou moins normal, hormis un souffle systolique au foyer aortique. Le patient, il est pâle, il est sous aspirine. Alors, vous allez prescrire un bilan biologique chez ce malade. Qu'est-ce que vous allez donner? Question à réponse multiple. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 réponses. Qu'est-ce que vous allez demander chez ce malade? Suspecté chez lui, c'est pas un problème plus moral, probablement. On fait quoi comme bilan en premier, comme bilan systématique? Donc là, ah, c'est sûr. A, B, B, très bien. Alors, bon, il faut savoir que
Vous avez un malade qui va, hein, qui va peut-être subir une intervention ou faire des examens sous anesthésie. Bon, il y a déjà le bilan après-opératoire standard. Donc là, la formule, le groupage, le bilan rénal. Et c'est un malade qui probablement va passer en réunion de concertation pluridisciplinaire d'oncologie, hein, et chez qui il faut faire un bilan d'extension, il faut chercher une atteinte, par exemple, s'il n'y a pas de transfert hépatique, c'est pas de lésion hépatique associée, le métahépatique, par exemple, on les cherche à l'imagerie, et il faut faire un des bilans biologiques aussi. Et il faut faire un bilan d'hémostase, là, c'est certain, et faire une albuminémie, un taux d'albumine, parce que si le malade, on opte chez lui pour une intervention chirurgicale, il faut avoir un taux de protides de départ, une albuminémie. Hein, si c'est le taux d'albumine n'est pas, il faut le corriger avant l'intervention chirurgicale. Parce qu'il y a un risque de lâchage, hein, lors des sutures. Hein, on a un risque de lâchage en cas d'hypoprotidémie ou d'hypoalbuminémie chez le malade. Il y a une mal cicatrisation en cas d'hypoprotidémie ou d'hypoalbuminémie. Donc il faut voir tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit il y a six réponses ici. Donc, il nous faut formule, un groupage, un bilan rénal, l'onogramme et le bilan d'hémostase, ça fait partie du bilan préopératoire standard de tout malade. Et il faut faire un bilan hépatique et un dosage d'albumine associé au bilan préopératoire standard. Alors, donc, il y a une anémie à 9,5 et on réalise une endoscopie, il y a une lésion creusante ulcérée suspecte au niveau de la petite coupure. Alors, qu'est-ce qu'on fait lors de l'endoscopie? Alors, ici, il y a deux, il y a trois réponses. On fait quoi? Est-ce qu'on biopsie sans arrêter l'aspégique? Est-ce qu'on biopsie après l'arrêt de l'aspégique, est-ce qu'on doit l'arrêter systématiquement? Est-ce qu'on donne une antibioprophylaxie? Est-ce qu'on biopsie, on recherche l'hélicobactère pylori sur les biopsies? Est-ce qu'on transfuse ou on peut mettre une supplémentation martiale par voie orale? Alors, D, j'ai vu, B1, D, très bien. Quelqu'un a répondu, D, BDF. C'est ça les réponses justes. Hein. Pardon, hein, c'est la A. A, D, F. L'aspégique ne contre-indique pas de faire des biopsies. Donc on peut faire des biopsies même si le malade est sous aspégique. Donc biopsie multiple des berges et de la périphérie sans arrêter l'aspégique. Ça ne nécessite pas un arrêt de l'aspégique. Il n'y a pas de nécessité à mettre une antibioprophylaxie. Hein. Et on fait des biopsies, on doit rechercher l'HP sur les biopsies pour l'éradiquer, ou si, par exemple, ce n'est pas un adénocarcinome, si c'est un lymphome, on doit avoir son statut HP, s'il est positif ou s'il est négatif, parce que le traitement va différer. Donc, il faut rechercher l'HP, surtout hein, si ce n'est pas un adénocarcinome. Et pour l'anémie, il est à 9,5, hein, on peut mettre une supplémentation martiale. Biopsie sans arrêter l'aspégique, rechercher l'HP et supplémentation. On ne transfuse pas parce qu'il est à 9,5 et il tolère son anémie. Le malade ne fait pas, par exemple, de l'hypotension ou, hein, ou il entame un état de choc. Là, oui, on transfuse. Il est à 9,5. C'est un taux qui n'est pas alarmant. Donc, on peut supplémenter par du fer oral. On transfuse si l'anémie elle est mal tolérée. Alors, pour le. Bon, là, on sort un peu de la gastro-entérologie. Et pour le souffle cardiaque, on peut hein, comment on peut l'appeler? Je ne sais pas si vous avez fait cardio. Comment on appelle le souffle cardiaque? Bon, c'est un souffle fonctionnel qui est dû à l'anémie, hein, tout simplement. Alors, en analysant la biopsie, hein, c'est un adénocarcinome,
avec toutes ces caractéristiques. Alors, dans le cadre du bilan d'extension et d'opérabilité, on fait quel examen? J'ai dit bien extension et opérabilité. Bon, on partage la question en deux. Et vous faites quoi comme bilan d'extension? Local, régional et à distance. On fait quoi comme bilan d'extension? Allez, vite, 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 vite. Bon, bilan d'extension, c'est, on vient de le voir. Le deuxième cas clinique, c'est échondoscopie, et TDR, thoracoque dominant pelvien. Les autres examens en cas de signe d'appel. Et pour le bilan d'opérabilité, on fait quoi? Vu les antécédents du malade. Très bien. Il faut faire l'EFR, un bilan cardiaque. Donc ici, EFR, bilan cardiaque, c'est pour le bilan d'opérabilité et l'échondoscopie, la TDM thoraco-abdominopelvienne pour le bilan d'extension. Alors, après le bilan d'extension, le scanner et l'échondoscopie haute, la tumeur, elle est classée UST3M0. Quand on dit US, ça veut dire classification ultrasonographique. Donc, après échondoscopie. Donc, l'échondoscopie haute a classé la tumeur T3M0. Alors, quels sont les principes de prise en charge thérapeutique de référence chez notre malade? Une tumeur médio-gastrique, hein, au niveau de la petite courbure, au milieu de l'estomac, qu'est-ce qu'on fait en général pour ce genre de tumeur? Ici, il y a un, deux, trois réponses. Alors, personne n'a une idée. Alors, A, B. Donc, gastrectomie, courage ganglionnaire, et ça dépend du bilan d'extension. Soit on fait une chimiothérapie périopératoire. En général, par exemple, dans les linites, dans les carcinomes à cellules indépendantes, on fait une chimiothérapie périopératoire. Donc, on fait une chimiothérapie avant et après la chirurgie, et on fait une gastrectomie totale et un curage ganglionnaire des deux. Voilà. Alors, quelques mois après l'intervention, le malade revient, il n'y a pas d'amaigrissement, mais il présente des troubles postprandiaux. Donc, dès qu'il mange, quelques minutes après, il se plaint d'une gêne, de plénitude, parfois il vomit, ça se calme en décubitus. Dès qu'il s'allonge, ce phénomène cède. Il n'y a pas d'amaigrissement. Vous pensez à quoi? Est-ce qu'on le reprend chirurgicalement, ou est-ce que c'est de l'hypoglycémie, ou est-ce que ce qu'on appelle le dumping syndrome, c'est-à-dire les aliments, le liquide qui arrive de façon très tôt vers l'intestin grêle, l'inondation de l'intestin grêle, l'inondation précoce de l'intestin grêle. Voilà, c'est ce qu'on appelle le dumping syndrome. C'est un phénomène assez fréquent post-opératoire, surtout les premiers mois, parce que c'est une période d'adaptation pour le malade, surtout en cas de gastrectomie totale. C'est pour ça qu'il faut des règles hygiéno-diététiques que le chirurgien doit expliquer au malade. Donc, le malade doit fractionner ses repas, donc prendre des repas, des petits repas, des repas restreints et de façon fractionnée. Tous les, par exemple, 2-3 heures, il prend un petit repas et pas avec beaucoup de boissons associées. Les boissons doivent être
différé, voilà, du repas solide, pour éviter ce qu'on appelle le dumping syndrome. C'est une complication post-opératoire assez fréquente. Hein. Alors, en cas de gastrectomie, surtout totale, qu'est-ce qu'on peut avoir hein, pour, comme complication? Parmi ce qui est mentionné. Est-ce qu'on peut avoir une carence en vitamine B12? Est-ce qu'on peut avoir de la diarrhée post-vacotomie? Est-ce qu'on peut avoir une ictus vésiculaire, un cancer du magnon? On va dire pourquoi, rapidement, pour chaque. Donc, carence vitamine B12, carence en fer, quelqu'un a dit carence en fer, mais est-ce qu'il peut m'expliquer pourquoi la carence en fer? Carence en vitamine B12, le Findus va être exclu, donc on n'aura plus de facteurs intrinsèques, hein, donc on aura une malabsorption de la vitamine B12. Ça, c'est évident. Diarrhée post-vagotomie ou post-gastrectomie, hein, on aura une inondation de l'intestin grêle, ça, c'est la première cause. Et la deuxième cause, ce sont les troubles de la motricité après ablation de certains filets du nerf vague. Et on a aussi la chlorhydrie. Alors, le cancer sur moignon, il y a des gens qui ont répondu. Le cancer sur moignon, il survient surtout sur ce qu'on appelle la gastrite chronique chimique, la gastrite biliaire. En cas de moignon, quand on laisse un moignon gastrique, il va subir un reflux bilieux et on va avoir ce qu'on appelle des gastrites chimiques. Et vous savez que la bile, elle est corrosive. Voilà, elle irrite la paroi et à la longue, sur le moignon, on peut se développer d'autres tumeurs. Notre cancer sur la partie gastrique qui reste. L'ictus vésiculaire, les secondaires en général à des troubles de la vidange vésiculaire secondaires à la vagotomie. Et la carence en fer, il y a deux mécanismes. Soit on peut avoir ce qu'on appelle des stomites ou des ulcérations péristomiales au niveau de l'anastomose, par exemple entre le moignon et l'intestin grêle, ou l'anastomose entre l'œsophage, par exemple, et le jéjunum, l'intestin, on peut avoir ce qu'on appelle des stomites, une petite inflammation au niveau de l'anastomose, là où le chirurgien a suturé, là où il a branché les deux organes. On peut avoir des ulcérations péristomiales qui peuvent saignoter un peu et donner une carence martiale par déperdition. Et il y a aussi un autre mécanisme, c'est que dans les gastrectomies, surtout totales, il y a de la chlorhydrie, donc il n'y a plus d'acide, et le fer doit être ionisé pour être absorbé au niveau de l'intestin grêle. Et en cas de perte d'acidité, en cas d'achlorhydrie, le fer il est ionisé, mais à faible. On n'a pas beaucoup de fer qui est ionisé, alors on a une moindre absorption. Il n'y a pas beaucoup de molécules de fer qui sont ionisées, parce que pour être ionisé et absorbé, il lui faut un pH acide. Et il y a aussi d'autres facteurs un peu limites. Il faut savoir qu'au niveau de l'estomac, il y a des cellules qu'on appelle des cellules P, au niveau du Findus, elles sécrètent de la gréline. C'est une hormone qui est sécrétée par les cellules P du Findus, par certaines cellules au niveau du pancréas, les cellules epsilon au niveau du pancréas, et au niveau de l'hypothalamus, bien sûr, c'est la gréline, c'est l'hormone de la satiété. Elle nous donne l'envie de manger. Lorsqu'il n'y a plus de Findus, on aura une diminution de la sécrétion de cette gréline, alors le malade il devient anorexique. Et à la longue, il peut développer une carence d'apport, une carence martiale d'apport. Voilà, ça, les différents mécanismes. Donc, on peut tout avoir après une gastrectomie.
Alors, on passe rapidement à la cabinet convolutionnelle. Alors, premier dossier, donc, il y a un monsieur qui consulte en diarrhée persistante depuis 5 mois. Les selles sont abondantes, sont graisseuses, sont molles plusieurs fois par jour. Un amaigrissement de 12 kilos avec une astée. Donc, diarrhée 5 mois, donc diarrhée chronique, supérieure à 4 semaines. Selles abondantes, graisseuses plusieurs fois par jour avec un amaigrissement. Et à l'examen clinique, bon, il y a la pâleur, il y a la fonte musculaire, et il y a des lésions dermatologiques un peu spéciales, comme des lésions érythémato-papuleuses, parfois centrées par une vésicule. Une lésion, on peut dire, qui ressemble à de l'herpès. Elles sont pruriginoses. Ça, c'est à l'examen général. À l'examen de l'abdomen, il y a une masse dure, un cordon qui est dur, fixé au niveau de l'hypocondre gauche, mesure environ 15 cm. C'est important quand même. Alors, donc vous avez diarrhée chronique, molle, graisseuse. À l'examen clinique, il y a de la pâleur, il y a des anomalies des fanères, post-squamous, cheveux secs, fins, cassants, ce qu'on appelle les anomalies des fanères. Et vous avez des lésions cutanées herpétiformes et vous avez une masse abdominale de l'hypocondre gauche. Alors, tout ce tableau peut vous évoquer quel type de maladie. Bon, sur le plan biologique, il n'y a rien de spécial à part des LDH élevés. LDH à 890. Il y a une hypoalbuminémie. Alors, ça vous évoque quoi? Quelqu'un me dit répéter cancer du moignon. Si je reviens à l'estomac, on va se perdre. Hein. Alors, le cancer du moignon, j'ai dit que le facteur de risque, c'est le reflux bilieux, c'est la gastrite chimique, la gastrite chronique, et qui est due à l'effet corrosif de la bile sur le moignon gastrique. Alors, ici, on pense à quoi? Diarrhée chronique, selles graisseuses, il y a un syndrome de malabsorption ici, c'est évident. Hein? Diarrhée chronique, selles graisseuses, il y a de l'anémie, il y a de l'hypoalbuminémie, donc il y a un syndrome de malabsorption. Et il est associé à l'examen clinique, on voit il y a des lésions herpétiformes. On l'appelle comment ce type de dermatose? Je ne sais pas si vous avez fait le cours ou pas. Il y a des LDH élevés sur le plan biologique. Bon, alors, c'est pas grave. Alors, ici, on est probablement devant un lymphome dégénérescence hein, sur une maladie cœliaque. Alors, les arguments, vous avez sur le plan clinique la diarrhée, hein, le syndrome de malabsorption. Sur le plan biologique, vous avez l'anémie, l'hypoalbuminémie, et en parlant de et la dermatite herpétiforme, qui est souvent associée à la maladie cœliaque. Et si on parle de la tumeur, vous avez la palpation de la masse au niveau de l'hypocondre gauche. Quand on palpe une masse au niveau de l'hypocondre gauche, on est presque toujours certain qu'on est au niveau 1 du jéjunum. Et vous avez aussi les LDH élevés, qui signent des tumeurs qui se nécrosent. Dans les lymphomes, on a souvent un taux d'LDH qui est élevé. Ici, un diarrhée chronique, syndrome carentiel, malabsorption, dermatite, tout ça, c'est la maladie cœliaque. Et on a la masse dure fixée qui signe la dégénérescence sur la maladie cœliaque. Maintenant, ben, on suspecte par exemple une dégénérescence sur une maladie cœliaque, on fait quoi? Oui, LDH élevé, c'est pour le syndrome de Lyse. Oui, tout à fait. Alors, quel bilan diagnostique on va faire? Je suis malade. Bon,
Et alors, sur le plan biologique, déjà, on fait une sérologie cœliaque et on fait d'autres bilans spécifiques. Si on suspecte le lymphome, on dose les bêta de microglobuline, on fait une ponction biopsie osseuse, bon, une endoscopie haute, là, c'est certain. Si on n'arrive pas à la lésion, on fait une jejunoscopie, on fait un scanner thoracobdominal pelvien, et maintenant, si par exemple, on n'arrive pas à biopsier la lésion lymphomateuse, hein, on peut la voir en transpariétale par voie radiologique, soit on l'a ponctionné par échographie ou TDM, et au cas où la lésion elle est inaccessible à l'endoscopie et à l'imagerie, hein, on peut aller jusqu'à la laparotomie exploratrice pour biopsie naturelle. Alors, une chimiothérapie est instaurée pour le lymphome. Quelle est la complication la plus fréquente quand on met de la chimiothérapie sur des lymphomes? Des lésions où la lyse est fréquente, la nécrose est fréquente. La complication classique, c'est l'hémorragie, hein, par fonte tumorale. Il faut faire très attention. Et, hormis le traitement du lymphome, on va donner quoi aux malades? On va traiter le lymphome d'un côté et on va prescrire quoi à notre malade? Quel type de régime? Des régimes. Quel régime? Un régime sans gluten. Donc, il faut corriger les carences, déjà, corriger ce qui est perturbé, et un régime sans gluten à vie. Voilà. Ça, en plus du traitement du lymphome. Il faut savoir que dans la maladie cœliaque, on peut avoir comme complication néoplasique soit le lymphome, soit l'adénocarcinome. Mais la complication néoplasique la plus fréquente, c'est le lymphome et le lymphome de type T, pas le lymphome de type B. Non, c'est le lymphome de type T dans la maladie cœliaque. Alors, dans notre dossier rapidement, concernant le Grel, ici, c'est un monsieur âgé de 47 ans, conçu pour diarrhée sans éléments anormaux, diarrhée depuis 5 mois, donc diarrhée chronique, sans glaire, ni sang. Sur les antécédents, on retrouve une notion d'ulcère diagnostiquée il y a 2 mois. Il est mis sous traitement avec des biopsies normales, rien de particulier. Il est aux coloscopies normales. Il a une pyrosis intense, épigastralgie, même s'il est. Il a été éradiqué, il est toujours sous IPP, mais il présente toujours un reflux. Alors, c'est la biologie, rien de spécial. À l'endoscopie haute, on a une œsophagite sévère, on a des gros plis fendiques œdémaciés, le plissement fendique est œdémacié, il est hypertrophié, et on a des érosions duodénales multiples. Donc, on a des érosions au niveau de l'œsophage, au niveau du duodénum. Et on a une gastropathie à gros plis, échographie abdominale normale. Donc, qu'est-ce que vous suspectez en premier? Donc, vu les antécédents, donc diarrhée chronique, sans éléments anormaux, RGO résistant au traitement, maladie ulcéreuse résistante au traitement, atypique, érosion œsophagienne, gastropathie à gros plis, ulcération duodénale, érosion duodénale. Tout ça, pensez à quoi? Le type de syndrome, de maladie, de tumeur. On est dans le TD cancer digestif, hein, donc on est toujours dans les tumeurs. Hein. Voilà, donc, quelqu'un a mis le syndrome Zollinger-Edison, ou le gastrinome, une sécrétion inappropriée de gastrine par une tumeur qui peut être localisée. Au niveau du pancréas, du duodénum, de l'antre. La majorité, c'est une tumeur à localisation pancréatique ou le triangle duodéno-pancréatique. Donc, syndrome Zollinger-Edison, sur quel argument? On vient de les citer avant. Donc, RGO, maladie ulcéreuse, diarrhée chronique, les données de l'endoscopie, donc érosion multiple sur tous les étages et la gastropathie à gros plis. Quand vous avez une hypertrophie déplissement fendique, avec des érosions un peu partout dans l'œsophage, dans le duodénum, et surtout avec un lac muqueux très important, il faut toujours avoir à l'esprit
hein, le syndrome Zollinger-Ellison. L'hypertrophie fendique, elle est secondaire à la stimulation induite par la gastrine. Hein, parce que c'est une sécrétion tumorale de gastrine, hein, donc une hypersécrétion, et cette gastrine va stimuler toute la population cellulaire fendique. C'est pour ça qu'on aura une hypersécrétion acide, parce qu'elle va stimuler les cellules pariétales, hein, les cellules de la mucus. On va avoir un lac muqueux très important, plein d'HCL et de mucus, et on aura une hyperplasie, une hypertrophie, un dépli par hyperplasie de toute la population cellulaire, parce qu'elle va, les cellules G, enfin la gastrine, elle va stimuler les cellules pariétales, les cellules de la mucus, et même les cellules endocrines, elle va stimuler tout le monde. En général, quand on fait la biologie standard, l'écho abdominal, on a l'endoscopie, il n'y a pas de lésion spécifique. Des petites tumeurs qu'on ne retrouve pas facilement. Il faut des examens biologiques spécifiques et des examens radiologiques assez pointus pour localiser ces tumeurs. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan biologique dans le syndrome Zollinger-Ellison? On fait un dosage de quoi déjà en premier? Donc on fait une gastrinémie basale stimulée, dosage de la gastrine basale est stimulée, et on fait aussi un autre test. Ben, la gastrinémie, on peut la faire, disponible dans certains labos, et on peut faire aussi un autre test, voilà, qui on mesure le débit acide, basal ou stimulé, mais il faut savoir qu'il se fait dans des centres un peu spécialisés ou des centres de recherche. Hein. Actuellement, on fait la gastrinémie basale stimulée et on fait les examens d'imagerie nécessaires pour avoir, pour localiser la tumeur et pour la biopsie. Voilà, pour faire une ponction biopsie et avoir la confirmation histologique. Il faut savoir que le débit acide, s'il est supérieur à 10 millimoles heure, voilà, on parle d'hypersécrétion, donc on suspecte. Et la gastrinémie, si elle est supérieure à 100 gamma, 100 microgrammes, on peut être certain qu'on est devant un gastrinome. Et en parallèle des examens standards, il faut rechercher ce qu'on appelle un syndrome de néoplasie endocrinienne multiple de type 1. Donc il faut examiner la thyroïde, et faire un bilan phosphocalcique, parathormone, procalcitonine, etc. Les gens de l'HCA, on a vu ce matin en échoendoscopie une malade qui avait 3 lésions tumorales au niveau du pancréas et avec de multiples lésions fendiques. C'était probablement une néoplasie endocrinienne multiple. Donc on doit faire le bilan complet. Elle a été hospitalisée, c'est un beau dossier. J'invite les gens de l'HCA, de Renada, d'aller la voir et de venir me voir. Je peux vous montrer les photos des différentes tumeurs au niveau du pancréas, différents nodules. Elle avait 3 nodules au niveau du pancréas. On a biopsié par la suite. Alors, quels sont les examens radiologiques qu'on fait? Déjà, de manière classique, qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous avez confirmé, vous avez votre gastrinémie qui est élevée. On fait quoi? Donc, fait une TDM thorac abdominal pelvien, ça c'est en premier. Et on fait quoi comme autre examen? Échoendoscopie, bilio-pancréatique, examiner la paroi gastrique. Maintenant, si on retrouve la tumeur au scanner ou au mieux à l'échoendoscopie, on peut faire une ponction biopsie et on a la confirmation histologique. Maintenant, si on ne retrouve pas la tumeur au scanner, à l'échoendoscopie, on fait quoi? Comme autre examen. Il y a 2 types d'examens qu'on peut faire. Hein. Il y a un examen qui est assez particulier pour les tumeurs endocrines. L'IRM, non, mais elle ne peut pas nous aider. Il y a un examen qui est spécifique pour les tumeurs endocrines. Qu'on appelle octréoscan. Ou scintigraphie au récepteur de la somatostatine. Donc, l'octréoscan, c'est un examen qu'on fait pour les tumeurs endocrines et pour les gastrinomes, on peut le faire
hein, en cas de négativité du scanner et de l'endoscopie. Donc on fait un octréoscan, il peut localiser le tumeur endocrine. Et si l'octréoscan est négatif, parce que s'il est négatif, on peut passer à quel examen? Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a parlé d'un autre examen. Allez, voilà, on peut faire ce qu'on appelle un PET scan, une tomographie par émission de positons, ou PET-CT. Voilà, c'est un examen hein, qui ressemble un peu à l'octréoscan, hein, qui peut localiser hein, même des petites tumeurs que l'imagerie standard n'arrive pas à localiser. Voilà. Et Congo, TDM, Octrio, voire PET. En traitement, bah, on va donner des IPP à forte dose. En général, on donne 80 mg par jour. On donne parfois, s'il y a des lésions sévères, on peut donner à la seringue électrique. Et bah, il faut agir sur la tumeur. Hein. Il faut l'opérer. Plus ou moins de la chimiothérapie, c'est attendu. Passons les deux derniers cas cliniques concernant le cancer colorectal. Désolé, on fait un peu vite, parce que bon, on a encore un peu de temps, peut-être un petit quart d'heure. Alors, est-ce que vous avez fait le cours sur les polyposes, le cancer colorectal? Est-ce que le cours magistral a été assuré? Non, pas encore. Non, c'est un problème. Alors, c'est pas grave. Donc, ici, il y a une dame âgée de 45 ans qui consulte pour rectoragie, n'a pas d'antécédent personnel particulier, mais sur le plan familial, alors, il y a son père et deux oncles paternels qui ont eu un cancer du côlon. Donc, il y a son père et deux oncles qui ont eu des cancers du côlon. Et une sœur âgé de 41 ans et deux enfants qui sont indemnes. Voilà. Et en parallèle, il y a une tante, hein, une tante paternelle un peu éloignée, hein, qui est décédée d'un cancer de l'endomètre. Vous avez deux oncles et son père. Ils ont eu un cancer du côlon et une tante décédée d'un cancer de l'endomètre. Dans les autres, ils n'ont pas de pathologie tumorale. Alors, l'abdomen est normal, il n'y a pas de masse palpable. Hein, on fait une coloscopie et il y a une tumeur au niveau du côlon droit. Alors là, bah, on sort un peu de la malade, c'est une QCM un peu à part. Alors, quelles sont les caractéristiques du polype qui vous évoque une dégénérescence? Un polype, polype méchant. Voilà, quelles sont les caractéristiques? Et il y a alors, une, deux, trois. Trois réponses. Quelles sont les caractéristiques endoscopiques d'un polype suspect ou d'un polype à fort caractère de dégénérescence? Est-ce quand il est petit, moins de 5 mm, caractère ulcéro-bourgeonnant, lésion qui saigne, une lésion fragile, une lésion souple ou le polype blanc? Alors, tout le monde a mis un BC. Ben, la taille, j'ai mis moins de 5 mm. Non. Si c'était une lésion plus de 10 ou de 20 mm, oui. Mais moins de 5 mm, non. Ça n'évoque pas une dégénération. Caractère ulcéro-bourgeonnant, oui. Lésion irrégulière, hein, ça évoque la dégénération. Lésion qui saigne facilement, lésion fragile, hein, ça saigne l'infiltration, la dégénération. Et vous avez aussi le polype plan. Les polypes plans qui sont très plats, là, il faut faire très attention. Donc, polyplan, lésion ulcéro-bourgeonnante et une lésion fragile qui saigne facilement. Ici, bon, ici, c'est la lésion au niveau du côlon droit. Là, il y a un processus bourgeonnant qui prend toute la circonférence. Alors, il a été biopsié et le résultat va être comment? Ici, il y a une seule réponse. Alors, est-ce qu'on sera dans la majorité des cas, hein. Est-ce que
On aura sur la nappe une tumeur stromale, un adécacane à l'air, un cholangiocarcinome, un adénocarcinome liverculien. Voilà la forme la plus fréquente. Une seule réponse ici. Hein. Alors, quelle est la forme la plus fréquente? Le plus classique au niveau du côlon. Quel type de carcinome? Voilà, c'est la réponse D. L'adénocarcinome liverculien. Et la forme la plus fréquente. Hein. Alors, par contre, si on revoit l'interrogatoire, j'avais dit au départ qu'elle avait son père et deux oncles qui ont eu un cancer du côlon, et elle a une tante qui avait un cancer de l'endomètre. Si on revoit voilà, ces données de l'interrogatoire, on est dans quel type de... Est-ce qu'il y a, on est en face d'un syndrome particulier? Si oui, lequel? Quelqu'un a une réponse. Quelqu'un qui a encore fait le corps. Voilà, bah, quelqu'un a répondu. Syndrome de Lynch ou cancer colorectal héréditaire sans polypose. Ou syndrome HNPC. Voilà. Qui représente entre 2 à 5% des cancers colorectaux. Donc c'est un cancer du côlon héréditaire. Sans le cours, on ne peut pas... ici, je passe les CQCM. Il y a des critères diagnostiques, il y a des critères d'Amsterdam, il y a des critères de Bethesda. Là, on utilise surtout les critères d'Amsterdam. Chez la malade, elle a déjà un parent premier degré qui est son père. Elle a 3 parents de deuxième degré. Elle a 2 oncles qui ont un cancer du côlon et une tante qui a un cancer de l'endomètre. Le cancer de l'endomètre, on l'appelle un cancer du spectre HNPCC. Donc, dans le syndrome HNPCC, vous avez le cancer du côlon. Soit il est synchrone, soit il est métachrone. Donc, le malade peut avoir une seule tumeur colique, comme il peut avoir 2 cancers du côlon en même temps. On dit que c'est un cancer qui est synchrone. Ou il peut, par exemple, avoir une seule tumeur. Il est traité. Par exemple, on fait une colectomie segmentaire sur le premier cancer. Et quelques années après, il développe un autre cancer du côlon dans un autre endroit. Ce qu'on appelle une tumeur métachrone, un cancer métachrone. Le syndrome HNPCC, on a soit une tumeur colique chez le même individu, de façon synchrone ou métachrone, ou chez les apparentés au premier ou deuxième degré. Les apparentés au premier degré, ce sont les parents et la descendance. Et les apparentés au deuxième degré sont les oncles et les tantes. Et on a aussi d'autres tumeurs du spectre HNPCC, des tumeurs d'autres organes, qui sont l'endomètre, les voies urinaires, le pancréas. Voilà. C'est dans la famille, si par exemple quelqu'un a un cancer colorectal, il faut toujours interroger sur le cancer du côlon et même sur d'autres cancers du spectre HNPCC. Donc l'endomètre, voies urinaires, pancréas, il ne faut pas les oublier. Bon, il y a, si on va essayer de passer, le syndrome HNPCC a des critères diagnostiques et si on a des critères à l'interrogatoire, il faut envoyer le malade en consultation d'oncogénétique pour faire des prélèvements et on a des mutations à rechercher au niveau de l'ADN. C'est ce qu'on appelle le statut MSI. S'il est positif ou négatif. Instabilité du microsatellite. C'est ça le statut MSI. Ça altère en général les gènes de réparation. Par rapport, par exemple, à la polypose adénomateuse familiale, la PAF, qui est la deuxième, enfin, notre type de
polypose familiale, qui est plus fréquente que le syndrome d'HNPCC. Dans la PAF, c'est le gène APC qui est atteint. Par rapport au syndrome de Nitschmann. Hein. On passe cette question. On passe au cas clinique numéro 2. Un peu plus simple et plus important pour vous. Donc, il y a un homme de 55 ans qui est hospitalisé pour douleur, nausée, vomissement. Donc, douleur abdominale, nausée et vomissement. Donc, il est traité pour une hypertension artérielle, opéré d'une appendicite. C'est pas important. Alors, depuis 15 jours, il y a une majoration de sa constipation ancienne. Il y a des coliques qui cèdent à chaque fois qu'il fait sa selle. Et il n'a pas émis de gaz ni de matière fécale depuis plus de 24 heures. C'est pour ça qu'il est venu pour des douleurs, des nausées et vomissements et un arrêt des matières et des gaz depuis plus de 24 heures. Il y a une pesanteur au niveau de la fosse iliaque droite. Voilà. Sinon, le reste de l'examen, il est normal. Alors, le malade, là, il fait un syndrome occlusif, là, c'est évident. On fait quoi comme examen radiologique? Ici, il y a une seule réponse sur les cinq. Est-ce qu'on fait une coloscopie, on fait un écho, on fait une IRM ou on fait un scanner d'emblée? Je n'ai pas mis l'ASP, si il y avait l'ASP, ça aurait été la meilleure réponse. S'il n'y a pas d'ASP, donc on fait quoi? Voilà, pour la majorité, on répondait juste. On fait une TDM. Pour les urgences chirurgicales, il faut faire une imagerie en coupe, c'est-à-dire une TDM. Une imagerie à rayon X, pas l'échographie dans l'occlusion, il faut faire un scanner. Donc on fait un scanner abdominal injecté, plus ou moins un peu opacifié par voie basse, pour avoir un meilleur examen. Mais dans les urgences chirurgicales, il faut opter pour l'imagerie en coupe à rayon X, donc pour un scanner ou un ASP. Alors, le radiologue confirme qu'il y a une occlusion sur une tumeur au niveau du côlon gauche avec une souffrance cæcale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va proposer au malade? On peut proposer deux cures ici, deux propositions. Le chirurgien, peut faire quel geste? Ou l'endoscopiste. Parce qu'on met une sonde nasogastrique, on ne fait rien du tout. Est-ce qu'on met le côlon à la peau, on fait une stomie de décharge. On fait une colectomie, on met le côlon à la peau, ou on fait une prothèse. Voilà, c'est encore. Alors, on fait quoi? Les gens vont opérer dans le cadre de l'urgence. Premier principe en chirurgie colique, quand on opère dans le cadre de l'urgence, il faut presque toujours mettre le côlon à la peau. Donc, il y aura une stomie. Là, c'est certain. On opère dans le cadre de l'urgence, le côlon n'est pas propre. Donc, on met une stomie. Allez, il y a beaucoup de monde qui participe, je vais répondre. Bon, on va commencer par la première, traitement non opératoire par endoprothèse. On met une endoprothèse, hein, si par exemple le malade il est cachectique, hein, il n'est pas opérable, son bilan d'extension il est catastrophique, une tumeur évoluée, un état général très altéré, on ne peut même pas l'opérer pour son occlusion, là oui. On peut opter pour une endoprothèse, donc lever l'obstacle, lever l'occlusion. Mais là, ici, le malade, il est opérable, il n'y a aucun problème. Donc, on fait une chirurgie. Alors, on fait soit une stomie de protection, sans toucher à la tumeur, et opérer à froid, à l'aise, opérer le malade. Après, on jugule l'urgence, l'occlusion,
On met le colon à la peau et on opère le malade pour sa tumeur bien après. Mais sinon, le chirurgien, il est assez entraîné, il peut faire une colectomie, hein, il enlève l'obstacle et il met le colon à la peau. Et après, on peut faire un rétablissement de continuité quelques mois après. Alors, stomie de protection, c'est-à-dire on le protège de l'occlusion. Voilà, on met juste une stomie, on laisse la tumeur en place. On fait une stomie, hein, et après, par exemple, on peut envoyer le malade pour une endoscopie, pour voir les deux segments, pour bien apprécier s'il n'y a pas d'autres lésions, des polypes ou d'autres tumeurs, faire un bilan d'extension à l'aise. C'est ça la stomie de protection, une stomie simple, tout court. Comme on peut, par exemple, si on a un bon scanner, si le malade, par exemple, avait une coloscopie avant, où un chirurgien est entraîné, il peut faire une colectomie et mettre une stomie et un rétablissement se fera après. Donc, soit stomie de décharge ou colectomie avec rétablissement plus ou moins protégé. Donc, on a plus ou moins stomie. Alors, le chirurgien retrouve une tumeur de l'oncolique gauche, donc il fait une colectomie élargie au colon transverse, et il fait une anastomose iléosigmoïdienne. Bah, le chirurgien, il est excellent, il a fait un geste carcinologique en pleine occlusion intestinale. Donc il a fait une colectomie segmentaire, et donc on revoit le patient en consultation. Quel est l'examen qui devrait être fait avant que l'occlusion survienne? On a une seule réponse. On a dit qu'il y avait, il y avait une aggravation récente de la constipation avant l'avènement de l'occlusion. Il fallait faire quel examen? Alors, stomie de protection, c'est protéger contre l'occlusion. Donc, stomie pour le protéger contre l'occlusion. Hein. Voilà, c'est la coloscopie. On fait une coloscopie. Il y avait une aggravation récente d'une constipation déjà présente. Donc, on fait une coloscopie totale. Ici, le malade, il a été opéré. Il revient 10 ans plus tard avec des rectorragies. Et au toucher rectal, on palpe une lésion qui est dure, qui est suspecte, au terme. Donc il y a des rectorragies, et au toucher rectal, on palpe une lésion qui est dure, au niveau de l'ampoule rectale. Quels examens on peut faire dans le cadre du bilan d'extension? Alors, ici, il y a 3 réponses. Hein. Vous avez une suspicion du tumeur à nouveau du rectum. Donc, on fait quoi? On fait quel examen? On l'a presque diagnostiqué au toucher rectal. Hein. Donc, les autres examens sont surtout pour confirmer l'histologie et le bilan d'extension. Voilà, très bien. Donc on fait déjà une endoscopie basse, une coloscopie, une rectosigmoïdoscopie, si vous voulez, et on fait une échoendoscopie basse et on fait une IRM pelvienne. Des examens systématiques en cas de tumeur rectale, surtout du bas et du moyen rectum. Et quelles sont les limites? Pour dire que c'est une tumeur, par exemple, du bas rectum, du moyen rectum ou du haut rectum. Quelles sont les limites en centimètres par rapport à la marge anale? On parle de néoplasie du bas rectum entre 0 et combien? Voilà, entre 0 et 5 cm de la marge anale, hein, c'est une néoplasie du bas rectum. Et entre 5 et combien on parle de néoplasie du moyen rectum?
Donc, entre 0 et 5, c'est le bas rectangle. Entre 5 et 10, très bien, c'est le moyen rectangle. Et entre 10 et 15, c'est le haut rectangle. Entre 10 et 15, c'est le haut rectangle. La charnière rectosigmoïdienne, hein, elle est entre 15 et 18 cm de la longueur. Donc, le bas rectangle, c'est 0 à 5, 5, 10, moyen rectangle, 10, 15, haut rectangle. Pour les néoplasies du bas et du moyen rectum, les condoscopies et l'IRM pelvienne sont systématiques. Pour les néoplasies du haut rectum, non. On se contente de la TDM thoraco-abdominopelvienne. Pour les néoplasies du bas et du moyen rectum, donc en plus de la TDM thoraco-abdominopelvienne, il faut faire une échoendoscopie basse et une IRM pelvienne. Alors, après le bilan d'extension, c'est un cancer du moyen rectum, donc il est entre 5 et 10. Il faut savoir que la distance, elle doit être calculée au toucher rectal et au rectoscope rigide. C'est indispensable. Il ne faut jamais calculer avec un endoscope souple. Il faut calculer au doigt et au tube rigide. Donc, la tumeur, elle est un adenoma. Il est classé T3N+. Envahissement de la musculeuse et avec présence d'adénopathie loco-régionale métastatique. Pas d'autre localisation à distance. Qu'est-ce qu'on fait comme traitement? Quelle sera votre stratégie thérapeutique? Question-réponse unique. Hein, une seule réponse ici. Est-ce qu'on met de la chimiothérapie seul avant d'intervenir? Est-ce qu'on met de la radiothérapie seule? Est-ce qu'on met de la radiochimiothérapie avant l'intervention? Néo-adjuvante, ça veut dire avant l'intervention. Et adjuvante, c'est après. Néo-adjuvante, c'est préopératoire. Donc, est-ce qu'on met de la radiochimiothérapie néo-adjuvante, donc avant, et suivi de chirurgie? Hein, ou là, on opère directement? Ou on opère, on met de la radiothérapie, qu'est-ce qu'on fait? Pour les néoplasies du bas et du moyen rectum. Classé supérieur à T2N+. Voilà. C'est une indication à une radiochimiothérapie concomitante néoadjuvante. Il faut toujours faire une radiochimiothérapie préopératoire pour faire fondre la tumeur, hein, et faire un bilan de réévaluation après, pour voir s'il y a des limites à une résection chirurgicale ou pas. Parce que c'est des tumeurs qui sont très bas situées. Si tu enlèves, on va laisser ce qu'on appelle la graisse du mésorectum, vous allez laisser un petit ganglion, et ça va récidiver, et si la récidive pelvienne hier, hein, c'est une catastrophe. On ne peut rien faire après. Le malade sera condamné à une chimiothérapie palliative. Alors, donc, dans les néoplasies du bas et du moyen rectum, on met toujours de la radiochimiothérapie concomitante préopératoire. Donc, on irradie la tumeur et on met de la chimiothérapie en même temps. On met de la radiothérapie et de la chimiothérapie avant l'intervention pour faire fondre la tumeur, pour baisser son volume. Et hein, pour faire éloigner surtout sa limite inférieure par rapport à la marginale, par rapport au muscle releveur de l'anus, par rapport au sphincter de l'anus, pour permettre après de faire, par exemple, une intervention, hein, une résection, une anastomose, par exemple, colo-anale ou colorectale basse. Parce que sinon, si vous n'arrivez pas à réduire le volume de la tumeur et de l'éloigner du sphincter, la sanction sera, hein, l'amputation abdominopérinéale et la stomie définitive. C'est ça le problème des néoplasies du bas et du moyen rectum. C'est pour ça que quand ils sont supérieurs à T2, où il y a des ganglions, c'est-à-dire N+, il faut faire de la radiochimiothérapie avant d'intervenir, pour maximiser
les chances aux malades, pour éviter déjà la récidive post-opératoire et pour éviter au maximum les amputations abdominopérinéales. Alors, lorsqu'il y a des endéopathies, au contraire, là où la radiothérapie elle est indiquée, ce n'est pas une contre-indication. Donc ici, radiochimiothérapie concomitante, c'est-à-dire en même temps, hein, néoadjuvante, avant l'intervention chirurgicale. Voilà, est-ce que vous avez compris pour les néoplasies du bas et du moyen rectum? Est-ce qu'il y a des questions rapidement? On a terminé hein, pour le topo d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, quels sont les... Alors, quelles sont les situations où on fait... où on ne fait pas de chirurgie. Alors, on ne fait pas de chirurgie si la tumeur elle est multimétastatique. On met juste une chimiothérapie. Si c'est une tumeur multimétastatique, patient qui ne supporte pas une intervention, et on l'a, il peut être candidat à une chimiothérapie, par exemple, palliative. Par exemple, un patient qui a une carcinose péritonéale, qui a des métastases péritonéales, une ascite carcinomateuse, avec des métastases hépatiques, une tumeur classée T4, voilà. Si c'est une maladie polymétastatique, hein. Là, oui, on met une chimiothérapie palliative. Mais sinon, pour les autres cas, actuellement, on maximise les chances aux malades. Si, hein, même s'il y a, par exemple, des métastases hépatiques, on peut intervenir sur la tumeur rectale et sur les métastases si... elles sont confinées, par exemple, à un seul segment, à un seul lobe. Ou... On peut faire beaucoup de choses. Hein. Chimiothérapie palliative seule, elle est indiquée que pour les malades en carcinose péritonéale, pour les cas vraiment dépassés. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, ben, on a terminé avec... essayer de survoler un peu les différents segments du tube digestif. Et dans dimanche, on verra les tumeurs biliopancréatiques. Alors, je vous dis ça à tout comme, et à bientôt, Inch'Allah.